Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette conférence qui se tient aujourd'hui dans le cadre du congrès télétravail. Un congrès organisé pour la première fois, un événement donc dédié aux impacts du télétravail au sein des organisations publiques et privées. Merci donc aux intervenants que je vous présenterai juste après, aux sponsors du congrès ainsi qu'aux congressistes qui sont à l'image de cette année 2021 à la fois en présence ici avec nous et en distanciel. Moi, je me présente, je suis Nathalie Hans, je suis journaliste pour le site Village de la Justice et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde dont le sujet est le droit du télétravail. On va se demander ensemble vers quelles évolutions, voire vers quelles révolutions réglementaires nous allons aller et quels vont être les enjeux et les obligations pour l'entreprise. Avant de commencer, nous allons présenter une petite vidéo donc, de l'association Consuel qui sponsorise aujourd'hui cette conférence. Merci. Donc, je vous présente maintenant les intervenants nous allons aujourd'hui dresser un peu l'état des lieux du droit du télétravail en 2021. Je vous ai dit que les congressistes étaient très 2021 avec cet hybride présentiel à distance. On est dans le même cas de figure avec nos intervenants, puisque vous n'êtes pas tous sur scène. Je vais commencer par les intervenants présents ici. Donc, Maître Adjerad, Myriam Adjerad, vous êtes avocate associée au barreau de Lyon. Vous êtes associée en droit du travail, vous avez fondé le cabinet Adjerad Avocat et vous intervenez à la fois en conseil, assistance, formation et défense en matière sociale auprès de grands groupes, mais aussi auprès de PME, TPE. Et Caroline Diard, vous êtes enseignante-chercheure en management des ressources humaines et droits à l'EDC Paris Business School. Vous avez été auparavant DRH et consultante pendant 15 ans et vous conduisez aujourd'hui des recherches dans le domaine de la vidéoprotection et du télétravail. On va passer aux intervenants qui sont donc normalement en ligne avec nous. Nous avons Magali Dubois, qui est diplômée en ressources humaines et analyse du travail. Vous avez intégré Magali Dubois le réseau Anactaract en 2006 après avoir été consultante et vous intervenez ces dernières années sur l'accompagnement des démarches qualité de vie au travail et renouvellement des pratiques en matière de dialogue social. Vous êtes d'ailleurs désormais chef du projet dialogue social renouvelé au sein de l'Aract Auvergne-Rhône-Alpes, que vous nous présenterez donc tout à l'heure. Je vous présente ensuite Sébastien Olivier. Bonjour, vous travaillez-vous au sein de l'association Consuel depuis 2004 et vous êtes depuis 2018 son directeur du développement et de l'innovation. Et enfin, je termine avec Madame Valérie Rouleau. Vous êtes déléguée aux affaires sociales de Syntec Numérique depuis 2014. Vous participez à ce titre à différentes instances paritaires de branche et vous animez la commission sociale de ce syndicat. Bonjour. Voilà pour les présentations des intervenants. On laissera à la fin, après vos interventions, on se laissera un temps donc, de questions pour répondre à la fois aux questions qui auraient été posées en ligne ou bien sûr que vous pourrez poser dans la salle. Je vous propose qu'on attaque et qu'on rentre dans le vif du sujet. Et avant de nous demander où on va finalement avec ce droit du télétravail, on va se remémorer d'où il vient avec vous, Madame Diard. Je vous passe la parole. Merci à vous. Alors, le télétravail n'est pas du tout un phénomène nouveau. Il est apparu dans les années 70 aux États-Unis sous le terme de télécommuting et il a été révélé par un certain Jack Mills. Et c'est seulement en 1993 qu'on parle de télétravail en France avec le premier ministre de l'époque, qui pour mémoire était Édouard Balladur, qui confie une mission sur le sujet à un certain Thierry Breton, que l'on connaît toujours sous d'autres fonctions et qui était alors dirigeant de la société informatique Bull. Thierry Breton, à ce moment-là, a conduit une mission interministérielle et rédige un rapport dès 1994. Et ce rapport est intitulé « Télétravail en France, situation actuelle, perspective de développement et aspects juridiques ». Donc, nous voilà plongés dans le contexte réglementaire de l'époque qui s'avère être un vide abyssal, un vide juridique, comme pourrait confirmer Maître Adjerad.
Et le rapport a l'avantage de présenter une première définition du télétravail en France. Et cette définition, c'est que le télétravail est une modalité d'organisation ou d'exécution du travail qui est exercée à titre habituel par une personne physique dans des conditions cumulatives qui sont un travail à distance et hors des abords immédiats de l'endroit où le résultat du travail est attendu, en dehors de toute possibilité physique pour le donneur d'ordre de surveiller l'exécution de la prestation par le télétravailleur. Donc c'est intéressant, c'est le terme « surveiller » qui était présent à ce moment-là dans cette définition. En février 1995, la France va inscrire le télétravail à l'ordre du jour du G7 à Bruxelles et s'est présenté à la fois comme un atout économique et un enjeu social. Les entreprises se rapprochent du consommateur, innovent, réorganisent le travail et au niveau social, on gagne du temps, notamment du temps de transport, on pollue moins et ça diminue les coûts de locaux pour les entreprises et on est plus productif et on se sent bien mieux, bien moins stressé au travail. Voilà, ça c'est à l'époque. Donc on est dans un contexte quand même, rappelons-le, de déploiement de la société de l'information et d'évolution des technologies qui, bien sûr, s'est pérennisé par la suite. Le mouvement, malheureusement, à ce moment-là, s'est essoufflé malgré une vraie volonté politique, notamment à travers une agence qui dépendait du conseil régional qui s'appelait le CATRAL, Comité pour l'aménagement du temps de travail et des loisirs en région Île-de-France, qui travaillait sur un projet de télécentre qui avait pour objet de construire des bureaux de voisinage qui étaient finalement les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui les espaces de coworking. Alors, j'ai fait mon stage au CATRAL de fin d'études, donc ça remonte un petit peu. En 2002, on a un accord cadre, qui est un accord européen, qui va encourager le télétravail et qui va poser des bases très importantes, puisque cet accord va garantir l'égalité des droits entre les télétravailleurs et les salariés en présentiel. En 2005, le législateur français va transposer pour la première fois un accord européen en droit français à travers ce qu'on appelle un ANI, accord national interprofessionnel, qui va être conforté en 2012 par la loi dite Warsmann, qui va introduire pour la première fois le télétravail dans le Code du travail. Alors, le Code du travail, il prévoit effectivement en son article L1222-9 une définition du télétravail et une autre définition spécifique à des situations de pandémie. Alors peut-être je vais vous préciser cet article qui est quand même une définition intéressante. Donc le Code du travail précise que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait été également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc des points importants, volontariat, technologie et en dehors des locaux. Alors l'autre article qui nous concerne tous avec notre contexte de crise sanitaire, c'est l'article L1222-11 qui prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie, nous y voilà, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. La situation que nous avons connue récemment a donc justifié le recours au télétravail de façon massive et le télétravail s'est donc imposé de façon contrainte, dégradée, à temps plein pour la quasi-totalité de la population française. C'est ça, c'est ce qu'on verra du coup plus en détail tout à l'heure avec Maître Adjerad. On viendra redéfinir un peu ces articles et rentrer dans les détails. Alors, dans le cadre de la crise sanitaire, il s'est agi d'un mode de télétravail qui n'était pas volontaire, hein, cette fois. Ce n'est pas une forme habituelle d'organisation, on est sur une forme atypique dans une situation de crise et on peut dire largement que c'est une forme qui est dégradée. Alors, comment mettre en place le télétravail? Ça, c'est une question qui peut se poser et qui sera aussi abordée par mes collègues par la suite. Alors, qu'il soit régulier ou occasionnel, le télétravail peut être mis en place par accord collectif, par une charte, ou en l'absence d'accord collectif ou de charte, c'est-à-dire en l'absence de dialogue social, finalement,
Ça peut être un accord entre le salarié et l'employeur et ça peut être mis en place par tout moyen. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été introduite dans les ordonnances Macron de 2017 qui ont été ratifiées par une loi en 2018. Donc le contrat de travail n'est pas nécessairement modifié par voie d'avenant. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc l'employeur peut très facilement aujourd'hui mettre en place le télétravail. On est dans un contexte réglementaire qui est facilitant, d'autant plus que le législateur s'intéresse de très près au sujet récemment, puisqu'on a un accord national interprofessionnel qui a été signé au mois de novembre et publié tout récemment au journal officiel, puisqu'on a une publication en date du 13 avril. Là aussi, on pourra y revenir du coup tout à l'heure voilà, avec Madame Rouleau. Alors, les stipulations en fait de cet accord national interprofessionnel s'imposent aux employeurs dont les représentants syndicaux sont dans le champ d'application. C'est-à-dire qu'on a trois syndicats qui ont signé. On a MEDEF, CPME et U2P. Donc, les entreprises qui sont concernées vont pouvoir appliquer cet accord national interprofessionnel. Alors, il faut savoir qu'on peut déroger par accord d'entreprise à cet accord national. Donc, ça, c'est quand même un point à préciser. Alors, réussir la mise en place du télétravail n'est pas qu'une question réglementaire, hein, parce que là, je suis en train de vous dire que c'est facile de mettre en place le télétravail. C'est aussi une question de management à distance. Donc, ça, c'est une difficulté. Alors, manager à distance et manager aussi de façon hybride. Donc, ça peut provoquer des interrogations, des tensions, des conflits. Et ça soulève aussi la notion de confiance, de délégation, d'autonomie. Et on parle de plus en plus d'une relation managériale réinventée. Alors, parfois, on dit réenchanté aussi, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas il va falloir apprendre à travailler ensemble à distance et surtout à savoir composer avec des équipes qui vont être des équipes hybrides, donc des collègues sur place et des collègues en visio comme aujourd'hui. C'est ça. Merci Caroline Millard, c'est ça, il faut qu'on soit hybride, c'est le nouveau mot. Merci. Du coup, on va passer la parole donc à Madame Rouleau, à Valérie Rouleau, qui est en visio, qui va nous parler, elle, c'est un joli nom, hein, de l'ANI, donc de l'accord national interprofessionnel. Vous allez nous expliquer pourquoi, déjà, c'est vous qui allez nous en parler, en nous expliquant notamment le rôle de Syntec Numérique. Et puis, donc, voilà, je vous laisse la parole pour nous parler de l'ANI. Merci beaucoup. Alors, pourquoi je vais vous parler de l'ANI? D'une part, parce qu'en fait, moi, je travaille pour une organisation professionnelle qui a pour objectif, en fait, de représenter, de défendre les intérêts des entreprises qu'elle représente. Et j'ai la chance, en fait, de participer à un certain nombre de commissions paritaires qui réunissent donc autour de la table des représentants de syndicats de salariés, mais également des représentants de syndicats patronaux. Et donc, je siège dans une commission qui négocie les accords au sein de la branche des bureaux d'études techniques qui regroupe un certain nombre de métiers et notamment les métiers du numérique. Alors, je n'ai pas pu vous l'annoncer auparavant, mais Syntec Numérique, entre guillemets, a mué. Puisque la semaine dernière, notre conseil d'administration a décidé, avec le conseil d'administration d'une autre entité qui s'appelle Tekin, de fusionner en un nouveau syndicat professionnel qui s'appelle aujourd'hui Numéum. Donc c'est un peu une exclusivité. On a un scoop, hein. Merci. Et ce Numéum, en fait, a vocation à fédérer les différentes activités du numérique, puisqu'il y a d'une part les éditeurs de logiciels, mais également les entreprises de services numériques et enfin les entreprises de conseil en technologie. Donc l'idée de cette fusion, c'est en fait de devenir un syndicat encore plus gros, encore plus puissant, encore plus représentatif pour porter en fait nos intérêts et défendre en fait la voix de nos entreprises. Voilà, donc Numéum aujourd'hui, c'est 2300 entreprises qui représentent 90% du chiffre d'affaires de notre secteur d'activité. Et on est un secteur qui avons la chance quand même d'être un secteur très recruteur. Voilà les raisons pour lesquelles je vais modestement essayer de vous présenter de façon très très synthétique les grandes lignes de ce fameux ANI, Accord National Interprofessionnel, dont un interlocuteur précédent a évoqué déjà la présence.
Cette ANI qui a été signée le 26 novembre 2020 est venue donc compléter effectivement un ANI qui avait été précédemment signé en 2005. Il ne le remplace pas, il vient le compléter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux textes cohabitent, coexistent et qu'il faut bien donc avoir à l'esprit qu'ils s'articulent, même si leur articulation n'est pas extrêmement compliquée puisqu'ils se complètent de façon plutôt harmonieuse. Alors, l'ANI, en fait, comme on vous l'a dit, c'est un accord national interprofessionnel. C'est un accord qui est assez général, qui pose un cadre, qui donne un certain nombre de conseils, de recommandations, mais qui n'est pas, comment dirais-je, normatif. Et donc, qui laisse une grande place aux entreprises dans la façon dont elles vont mettre en œuvre le télétravail. Donc, l'ANI du 26 novembre a effectivement été... fait l'objet d'une extension récente, donc c'est-à-dire qu'il s'applique à toutes les entreprises qui souhaiteraient en fait mettre en œuvre le télétravail. Et cette ANI en fait va réaffirmer un certain nombre de principes qui avaient été déjà décrits dans l'ANI de 2005, parmi lesquels il y a une grande facilité effectivement de mise en œuvre du télétravail, puisque le télétravail peut être mis en place de façon plurielle, comme on l'a dit tout à l'heure, soit par accord d'entreprise, d'établissement, également par accord de branche. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je vous parle de cette ANI, c'est que dans notre branche, nous envisageons très sérieusement d'ouvrir des négociations sur le thème du télétravail, puisqu'il y a là des discussions avec les partenaires sociaux qui ont commencé, et de véritables négociations devraient s'ouvrir à partir du mois de septembre de cette année. Donc, grande facilité et diversité de mise en œuvre de l'ANI, donc qui confirme ce qui existait déjà en 2005. Le rappel de ce que doit comprendre un accord collectif qui met en place le télétravail, notamment les conditions d'organisation du passage de télétravail en présentiel, les conditions de retour aussi qui doivent être prévues dans l'accord, puisque le télétravail peut être entre guillemets réversible, ça c'est important. Les modalités d'acceptation du télétravail par le salarié, les conditions de mise en œuvre de ce télétravail et notamment les conditions de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail, la détermination des plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être joint dans l'exercice de son travail et enfin les modalités d'accès spécifiques pour les travailleurs handicapés qui souhaiteraient donc bénéficier aussi d'une organisation en télétravail. Donc ça, ce sont des rappels. Le rappel, effectivement, c'est que le télétravail peut être prévu dès l'embauche du salarié, mais peut également être mis en œuvre en cours d'exécution du contrat de travail. Le rappel du principe essentiel de double volontariat, le salarié ne s'impose à aucune des parties, c'est-à-dire que l'employeur ne peut imposer le télétravail à un salarié qui ne le souhaiterait pas, et de même, un salarié n'a pas droit au télétravail. Le télétravail, c'est quelque chose qui est décidé conjointement entre les parties. La nécessité également de prévoir une période d'adaptation, c'est-à-dire qu'on se donne la possibilité, si l'une des parties se rend compte que finalement cette organisation ne convient pas, de revenir à l'état anti-télétravail, c'est-à-dire de revenir à du total présentiel. Et donc le principe de réversibilité, qui est un principe qui avait déjà été affirmé, mais qui est réaffirmé très clairement. Alors, vous allez me dire, finalement, il sert à quoi cette ANI? Alors, cette ANI, il a quand même l'avantage d'apporter un certain nombre de clarifications. Et notamment, il précise très clairement que les activités éligibles au télétravail relèvent strictement du pourvoir de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur peut, s'il le souhaite, en discuter avec ses partenaires sociaux. Mais la décision d'identifier les postes éligibles au télétravail relève véritablement de son pouvoir de décision. Autre clarification qui a été également apportée, et ça a été dit tout à l'heure, et c'est une simplification en termes de formalisme, c'est que le télétravail ne nécessite plus forcément la rédaction d'un avenant. Il doit se faire quand même par la rédaction d'un écrit pour pouvoir prévoir un certain nombre de mentions obligatoires qui encadrent le télétravail, mais l'avenant n'est plus le seul outil qui doit permettre cette mise en place et qui complétait, donc par exemple, l'accord ou la charte dont on a parlé. L'ANI de 2020 prévoit également que si le télétravail génère des frais supplémentaires pour le salarié, l'employeur
doit prendre à sa charge les frais qui en résultent. Alors, il n'est pas intervenu plus avant, il n'a pas donné de minima. Il laisse planer le fait que ça peut générer des frais supplémentaires, mais pas forcément systématiquement. Donc, c'est vrai que beaucoup de sujets tournent autour de la prise en charge du télétravail. Et enfin, il fait un rappel sur la présomption d'imputabilité en fait, relative aux accidents du travail qui se passent en matière de télétravail, en précisant quand même que l'employeur n'a pas la maîtrise totale et complète du lieu d'exécution du travail, puisque ce lieu d'exécution est le lieu généralement du domicile du salarié, ou en tout cas un tiers-lieu, ou éventuellement même un lieu de villégiature que le salarié aura choisi de prendre pour lieu de travail. Alors l'intérêt de cet ANI, et j'arrive à la fin de ma présentation, c'est qu'il soulève un certain nombre de problématiques que n'abordait pas le précédent ANI. D'abord, il met vraiment l'accent sur la nécessité de préparer aussi bien l'encadrement à ce nouveau management à distance, et donc la nécessité de savoir combiner le présentiel et le distanciel, la nécessité également de savoir utiliser parfaitement les outils numériques, puisqu'on a vu qu'effectivement, au début, les réunions qui ont pu se tenir n'étaient pas forcément très fluides, hein, avec ces nouveaux outils. L'ANI met aussi l'accent sur la nécessité de permettre la continuité du dialogue social, qui a été aussi un petit peu chahuté pendant toute cette période, et donc il a fallu être inventif. Et l'ANI préconise, par exemple, la mise en place d'un local syndical numérique ou la nécessité de mettre en place des panneaux d'affichage numérique. Et enfin, le grand apport de cette année également, c'est de donner un cadre au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, puisque les circonstances exceptionnelles n'étaient pas prévues dans l'année précédente, qui ne traitait que du télétravail soit occasionnel, soit du télétravail régulier. Donc là, très concrètement, le nouvel ANI précise qu'en cas de circonstances exceptionnelles, et le Covid évidemment en était une, la mise en œuvre s'impose aussi bien aux salariés que finalement, là, ça s'est imposé aussi à l'employeur. Hein, les deux parties se sont un petit peu trouvées devant le fait accompli. Donc évidemment, la consultation du CSE ne se trouve plus obligatoire préalablement compte tenu des circonstances, donc elle peut être tout à fait faite a posteriori. Et que l'utilisation des outils numériques du salarié est rendue possible en cas de télétravail exceptionnel. Et l'ANI insiste sur la nécessité d'être extrêmement vigilant sur les risques psychosociaux et notamment sur l'isolement dont peut souffrir le salarié et sur la nécessité, encore une fois, de prendre en charge les frais professionnels qui pourraient résulter de ce télétravail exceptionnel. Voilà les principaux enseignements que l'on peut retenir de ce nouvel ANI. Merci. Merci Valérie Rouleau. Je crois qu'on vient de... déjà, comme toujours avec le droit, on vient de rentrer dans le dur. C'est parti. C'est très concret. On va continuer ensemble à explorer ça. Le droit du télétravail en détail avec vous, donc Maître Gérard. Vous êtes spécialisée en droit du travail. Et on va donc... je vous laisse la parole pour continuer cette exploration. Merci beaucoup. Donc effectivement, en tant que praticien du droit, le télétravail n'était pas, on va dire, une question centrale auparavant. On a un avant et un après 17 mars 2020 pour nous, dans le sens où on avait quelques questions résiduelles en télétravail concernant les frais, quelques rédactions de chartes. Et à partir du moment où il y a eu le confinement général, les questions se sont démultipliées puisqu'on a eu un télétravail massif, non volontaire, j'y reviendrai, et beaucoup de questions en suspens. Alors, Madame Diarve a rappelé effectivement les dispositions du Code du travail, il y avait bien une définition dans le Code du travail. Je reviendrai moi, vraiment sur les termes de cet article L1222-9 du Code du travail. C'est une forme donc, d'organisation du travail, et les termes sont importants, qui, pour un salarié qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, mais qui est effectué hors de ses locaux, premier point, de façon volontaire et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Alors, le hors de ses locaux, c'est intéressant pour nous puisque généralement, auparavant, le télétravail s'était conçu plutôt comme je ne travaille pas dans les locaux de l'entreprise, mais je travaille à domicile. Or, le télétravail, ce n'est pas le travail à domicile. C'est une notion qui est codifiée, qu'on retrouve dans le Code du travail. Le travail à domicile, ce sont d'autres dispositions.
le hors ses locaux de l'entreprise a pu poser difficulté en fait vraiment en pratique, parce qu'avec le confinement, on a pu assister parfois, notamment dans les grandes métropoles, sur Lyon, sur Paris ou autres, à une espèce d'exode d'un certain nombre de salariés vers ceux qui avaient des résidences, par exemple, secondaires, ou en tout cas des lieux de travail relativement variés. Parfois même à l'étranger, c'est-à-dire que certains, nous, dans le cadre de notre pratique, certains de nos clients ont pu nous dire « bon ben, moi j'ai une difficulté, j'ai une salariée en fait, qui, je me rends compte qu'elle est partie au Brésil, enfin, elle est partie à l'étranger ». Ce n'est pas sans conséquence d'un point de vue juridique, parce qu'on a quand même, nous, un droit national et un droit de la protection sociale qui est quand même très régi par des règles nationales, une exécution du contrat de travail sur le territoire national. Donc, ce n'est pas sans conséquence qu'on va avoir, par exemple, un déménagement ou un télétravail qui est exercé un peu partout. On est dans un monde et des relations de travail qui, vraiment, à ce niveau-là, se complexifient. En termes de, et bien évidemment, d'autres intervenants reviendront sur cette question-là, hors des locaux de l'entreprise, en termes de sécurité, il y a quand même des obligations de l'employeur de continuer à préserver la santé au travail des télétravailleurs. Et quand on ne connaît pas le lieu d'exécution du contrat de travail, cela peut poser difficulté. Donc la préconisation, alors comme on a eu un télétravail qui a été massif et puis un peu brutal, tout bien évidemment n'avait pas été anticipé, mais aujourd'hui c'est vrai que la préconisation c'est que soit prévu soit dans les chartes, soit dans l'accord collectif ou soit dans l'accord qui est pris avec le salarié, enfin dans le contrat de travail, que le lieu d'exécution du contrat de travail soit précisément défini, c'est-à-dire soit c'est le domicile du salarié avec un certain nombre d'obligations en matière de sécurité, des déclarations sur l'honneur indiquant que le domicile respecte toutes les obligations en matière de sécurité. Et le salarié doit déclarer tout télétravail qui serait fait en dehors de son domicile et être autorisé, par exemple, soit par un manager, soit par un RH. L'enjeu également, depuis la mi-juin, ça a été pour beaucoup d'entreprises de faire revenir les salariés dans les locaux de l'entreprise et d'avoir, vous avez évoqué la notion de hybride, ça va être d'avoir des organisations du travail relativement hybrides, des passages en entreprise, des passages en télétravail. Et on a assisté à un phénomène quand même relativement particulier en juin, il y a eu une enquête de la NDRH sur les personnes qui avaient déménagé pendant la période. Alors ça peut paraître un peu curieux, parce qu'on est quand même là dans un domaine juridique. Vous aurez tendance à me dire que le déménagement est une décision personnelle du salarié qui n'a pas impacté l'employeur. Aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus compliqué de venir dire, c'est-à-dire que vous avez des salariés qui pendant 18 mois ont exécuté à 100% leur télétravail à domicile et qui ont, pour des raisons de convenance personnelle, décidé de déménager, alors parfois à 100, 200 km. Et des entreprises qui leur demandent de revenir dans les locaux et les salariés de dire, bah, écoutez, non, moi ça fait 18 mois que je travaille à distance, ça se passe très bien, je n'ai aucune intention de revenir dans les locaux. Alors que beaucoup d'entreprises ont besoin de recréer du collectif, de recréer de la dynamique, et toutes ces questions restent quand même des questions juridiques. C'est ce sur quoi nous, on est en tant que praticiens du droit, en tant qu'avocats conseil, on est interrogés, de savoir quelles sont les marges de manœuvre des uns, des autres, sur ces points-là. D'ailleurs, c'est pareil, hein, au niveau des recruteurs, des recrutements, ils nous disent qu'ils commencent à avoir de plus en plus de candidatures, de gens très éloignés, qui n'ont aucune intention de déménager. Ça s'inscrit dans une logique normale de fonctionnement. Un deuxième point sur le caractère volontaire, parce qu'on a, le Code du travail prévoit bien un caractère volontaire du télétravail, hein, il ne peut jamais être imposé. Donc, Madame Djar, vous l'avez indiqué, sauf circonstances exceptionnelles, l'épidémie constituait une circonstance exceptionnelle permettant d'imposer le télétravail. Et on a clairement assisté depuis 18 mois à un télétravail qui n'était pas forcément toujours très volontaire. Je vous ai évoqué les gens qui ont déménagé et qui n'ont pas très envie de revenir dans les locaux de l'entreprise, mais inversement. Pendant 18 mois, on a eu beaucoup d'entreprises qui étaient prises en étau entre une exigence gouvernementale et puis souvent appuyée par exemple par des inspections du travail de mettre en place du télétravail au maximum, et de l'autre, des salariés qui, pour des raisons psychiques, n'en pouvaient plus du télétravail à 100% et demandaient, réclamaient à leur employeur une possibilité de revenir dans les locaux de l'entreprise. Donc il a vraiment fallu gérer un peu cet équilibre et cette double exigence
en sachant que le code nous parle bien de la notion de volontariat. Autre point, je l'ai un petit peu évoqué, c'est que les entreprises ont juridiquement une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés, notamment lorsqu'ils sont en télétravail, donc en mettant en place des actions de prévention des risques pour éviter les RPS, tous les risques spécifiques au télétravail, l'isolement des salariés. Le cabinet consuel évoquera également aussi tout ce qui est risque physique. Oui, c'est ça, on va rentrer dans quelque chose de très concret à la fin, effectivement, auquel on ne pense pas forcément. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a des nouveaux enjeux juridiques aujourd'hui qui se posent en matière de prévention des risques, qui sont des risques spécifiques concernant les télétravailleurs. Madame Rouleau l'a rappelé, on a une présomption d'accident du travail, donc l'accident qui survient au domicile du salarié alors qu'il est en télétravail doit être déclaré comme un accident du travail. Je reviens à ce que j'indiquais en début d'exposé, c'est que le code prévoit, c'est l'accident qui arrive au domicile du salarié qui est, quand il est en télétravail, en tout cas le lieu où est exécuté le contrat de travail. Si on ignore le lieu, si ce n'est pas cadré, que ce soit donc, encore une fois dans l'accord, la charte ou le contrat de travail, si ça a été contractualisé, si on n'a pas précisé le lieu d'exécution du contrat de travail, ça peut poser difficulté ensuite si on est face à un accident. On a quelques nouveaux phénomènes aussi qui se... Et j'en terminerai là, quelques nouveaux phénomènes qui se présentent. Vous avez le phénomène, par exemple, alors, qui reste certes résiduel, mais de télégrève. J'ai trouvé ça... c'est-à-dire que la pratique va toujours beaucoup plus vite s'adapter que le droit. La télégrève, c'est quoi? Vous avez une société qui a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, donc pour supprimer un certain nombre de postes de travail. Et vous avez 80 salariés qui étaient donc en télétravail, qui ont décidé pour contester la mise en place de ce plan, de se mettre en télégrève, donc ils se sont déconnectés entièrement de leurs outils numériques, avec un préavis, en appuyant leurs revendications professionnelles. Et c'est vrai que juridiquement, on a un code du travail qui nous dit un arrêt collectif, concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. On est bien dans le cadre d'une grève, mais qui va s'exercer avec une forme un peu différente. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait une réunion du CSE, donc du Comité Social et Économique, alors réunion en visio, nécessairement en Zoom, et une organisation syndicale avait communiqué à l'intégralité des salariés de la société, les codes, pour pouvoir accéder à la réunion. L'objectif, donc les salariés se sont connectés en permanence, l'objectif était de faire une télémanifestation pour contester encore ce mouvement. Donc ce sont des éléments nouveaux auxquels nous devons répondre avec des situations juridiques différentes. Dernier point, et ça fait aussi partie des points, alors Madame Jarre et Madame Rouleau a bien expliqué que le législateur, les partenaires sociaux, ont bien réglementé, enfin ont essayé à démultiplier les règles concernant le télétravail, mais on a encore quand même quelques vides juridiques, ne serait-ce que sur la question des tickets restaurants. On croyait que c'était acquis, ça, non? Et puis c'est, On a eu quelques surprises. C'est vrai qu'en tant que praticien du droit, les tickets restaurants, on avait pris une certaine position, alors certains de principes d'égalité de traitement, que tous les salariés, à partir du moment où ils étaient en télétravail ou sur site, bénéficiaient des mêmes avantages et des tickets restaurants. C'est la position qu'a pris le tribunal judiciaire de Paris. C'est une décision du 30 mars 2021 qui a considéré effectivement que les tickets restaurants devaient être attribués aussi bien aux télétravailleurs que aux travailleurs sur site. Et vous avez le tribunal judiciaire de Nanterre qui, à deux semaines d'écart, vous indique que les situations ne sont pas comparables quand on est en télétravail ou quand on est en travail sur site et que les télétravailleurs n'ont pas le droit aux tickets restaurants. Alors, ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas du tout, puisque ce sont des enjeux essentiels. Les deux décisions ont fait l'objet d'un recours. Donc, ça fait partie des points qui devront faire l'objet de clarifications sur les droits et obligations des télétravailleurs. Voilà. Merci, Maître Lurette. Bien, on va maintenant revenir, ça y est, on a balayé le code du travail, l'ANI, les accords, etc. Donc il y a une petite notion là qui est derrière tout ça, c'est celle de la négociation collective notamment, que le télétravail est revenu lui aussi bousculé. Et c'est avec vous, Madame Dubois, donc Magali Dubois, donc de l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on va revenir là-dessus, sur cette question
du dialogue social. Je vous passe la parole. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Peut-être vous présenter d'abord le réseau ANACT-ARACT, en tout cas donc, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail Auvergne-Rhône-Alpes fait partie du réseau ANACT-ARACT. Le réseau ANACT-ARACT est un réseau qui intervient, ou en tout cas qui expérimente dans les TPE-PME des démarches collectives et participatives qui sont ancrées dans le dialogue social et qui visent à promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. D'ailleurs, à ce titre-là, dans le cadre de nos travaux, le réseau a produit autour du télétravail, a développé des outils et méthodes, mais aussi propose des recommandations pour la mise en place concrète du télétravail en entreprise, et je pense notamment aux 10 recommandations pour négocier un accord ou une charte sur le télétravail. Autre petit pas de côté peut-être qui est intéressant aujourd'hui de partager, c'est un certain nombre de constats que l'on a pu dresser dans le réseau autour du télétravail. Avant la crise sanitaire, et cela n'a pas forcément été dit là, mais dans les entreprises en tendance, il y avait quand même, on va dire, une divergence, une sorte de divergence de point de vue. Les salariés aspirant à davantage de télétravail, et un certain nombre d'études ou de sondages le montraient à l'époque, pour une meilleure articulation des temps de vie, pour réduire aussi les temps de transport à domicile-travail, mais aussi pour valoriser ou en tout cas demander une certaine autonomie et une certaine responsabilité dans leur activité de travail. Et en parallèle, plutôt des craintes des employeurs que l'on a retrouvées avec le télétravail massif que l'on a connu, c'est-à-dire des craintes sur la perte de contrôle du travail, la productivité, le temps de travail aussi, et un risque qui était déjà mesuré sur l'apparition de difficultés dans le management à distance. Survient donc la crise sanitaire, et là, le travail est imposé massivement, aux salariés comme aux directions d'entreprise. Et cela donc va nécessiter, en tout cas en 2020, de la réactivité, des ajustements dans l'urgence pour tous, avec quand même une installation dans la durée, puisqu'on a vécu plusieurs confinements depuis mars 2020. Aujourd'hui, ce que l'on constate aussi, c'est, je dirais, c'est ce que vous m'invitiez à faire, c'est de parler aussi de ce besoin de davantage poser, mesurer, les enjeux du télétravail à un niveau local d'entreprise pour encadrer le télétravail, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier de règles communes qui répondent bien sûr aux droits, mais qui soient aussi assez souples pour permettre un équilibre social et qui permettent aussi de mesurer ou en tout cas de considérer un certain nombre d'aspects qui jusqu'alors pouvaient être sous-dimensionnés et les différents confinements successifs nous ont montré aussi, cela a d'ailleurs été déjà dit par les intervenantes précédentes, des impacts comme les impacts psychosociaux, l'isolement de certains salariés, des pertes de repères dans le travail, du surmenage lié au tout numérique, des tensions relationnelles aussi qui ont pu émerger dans les collectifs entre des salariés en télétravail et des salariés qui étaient sur site et qui pour autant se sentaient, je dirais, peut-être en tout cas, plus menacés par la crise sanitaire et un risque pour leur santé. Et puis, quelque chose d'assez prégnant encore, et vous l'avez déjà évoqué, ce sont les évolutions dans les pratiques managériales, avec une attention particulière apportée à ces pratiques, qui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, sont aujourd'hui plutôt hybrides et nécessitent d'être soutenues, les pratiques des managers, des encadrants, d'être soutenues dans ce management hybride, parce que ce seront aussi demain les acteurs qui vont accompagner les dimensions organisationnelles. Peut-être aussi mettre en perspective le sondage IFOP de 2020, parce qu'aujourd'hui, les salariés n'aspirent pas nécessairement à du tout télétravail. Ce sondage IFOP de fin 2020 montre bien que seulement 8% des salariés souhaiteraient être sur du télétravail massif, ou en tout cas du travail à distance en permanence, alors que 63% des salariés souhaitent vraiment une majorité de leur temps de travail au bureau. Ainsi, ce qu'on peut dire là, c'est que le télétravail reste donc un sujet prégnant pour les acteurs locaux du dialogue social, à savoir les directions d'entreprise, les délégués syndicaux et ou les membres de CSE lorsque ce sont eux qui sont amenés à négocier.
et qu'après cette mise en place massive subie, la direction et les représentants des personnels sont désormais invités, hein, plus qu'hier en tout cas, à partager les enjeux, mesurer donc les impacts à tous les niveaux et trouver un cadre adapté par la négociation collective et le dialogue social au niveau local d'entreprise. Merci. Vous avez des recommandations du coup peut-être en particulier ? Oui, alors quelques recommandations. Alors c'est vrai que pour le réseau Un Acte, Un Acte, en tout cas, cette évolution du télétravail nous amène à préconiser quelques éléments et peut-être à s'attacher à quelque chose qui est souvent sous-dimensionné aussi. Alors bien sûr, il y a à connaître le droit. Ce qu'on partage là sur l'ANI, le code du travail, c'est fondamental pour les acteurs du dialogue social de bien connaître les contours du droit et de la réglementation. C'est aussi poser les enjeux du télétravail qui pour nous peuvent être de quatre ordres. Ces enjeux-là et qui nécessitent donc déjà une mise en dialogue autour de ces enjeux. À savoir, est-ce que dans l'entreprise, on souhaite plutôt une approche individuelle du sujet du télétravail, c'est-à-dire plutôt administrer un dispositif de télétravail au cas par cas? Est-ce qu'on veut plutôt une approche collective de la question et là plutôt s'emparer du sujet collectivement en intégrant aussi la question des salariés qui ne télétravaillent pas? Une orientation, un troisième ordre, c'est est-ce qu'on veut une orientation plutôt organisationnelle de la question, c'est-à-dire est-ce qu'on veut penser le télétravail comme un mode d'organisation de demain, voire hybride, ou est-ce qu'on veut avoir plutôt une orientation sociale, où là, on sera plutôt dans une orientation qui permet davantage, par exemple, d'articulation des temps pro et perso, faciliter le maintien de certains profils, vous l'avez dit aussi, hein, ça peut attirer de nouvelles compétences qui sont à distance ou encore pouvoir permettre de maintenir des profils de salariés dits vulnérables au sens de la santé au travail. Ça, c'est les deux premières peut-être préconisations, c'est effectivement de s'attacher aux droits, mais aussi aux enjeux locaux. Et puis, pour nous, c'est une vraie opportunité, la question du télétravail, là, de s'intéresser, en tout cas que les interlocuteurs du dialogue social s'intéressent à leur processus de négociation. Pour ça, en tout cas pour nous, négocier, ce n'est pas uniquement quelques séances autour d'une table avec des revendications d'un côté et puis des propositions faites de l'autre, sur la base d'un texte qui serait préétabli. C'est vraiment de conduire de manière méthodique, en tout cas pour ne pas abîmer notamment la relation sociale en créant des attentes qui ne seraient pas, qui seraient déçues dans le cadre du processus de négociation. Pour cela, en tout cas, trois processus sur lesquels on attirerait l'attention, c'est d'abord poser le cadre de la négociation entre les acteurs, hein, du dialogue social, c'est-à-dire qui va négocier, quelle temporalité on se donne pour négocier, quelles sont les ressources que l'on peut mobiliser, est-ce qu'on peut faire appel à un expert par exemple, quelles vont être les règles de communication aussi et d'échange entre les acteurs de la négociation, quels seraient les processus d'élaboration aussi de l'accord, c'est-à-dire les différentes étapes par lesquelles on va passer, et enfin quelles vont être aussi des choses qui peuvent faire aussi, je dirais, achoppement entre les acteurs, c'est les modalités de rédaction de l'accord, c'est-à-dire est-ce qu'on va venir sur un accord plutôt unilatéral déjà préécrit ou est-ce qu'on va être sur de la rédaction à plusieurs mains, par exemple. Ça, c'est le premier processus sur lequel on attirerait l'attention des négociateurs. Madame Dubois, je vais vous inviter à peut-être accélérer sur les autres points pour puisse laisser la parole à M. Olivier derrière. Bien sûr. Préparer la négociation, c'est un processus aussi important. Hein, c'est l'information qui est partagée dans le cadre du processus de négociation. Et puis un dernier processus, en tout cas, c'est la question de la validation des mandats des négociateurs. Ce que l'on constate aussi, c'est que bien souvent, ce n'est pas toujours clair l'exercice de ce mandat de négociation, a fortiori dans une entreprise en local. Et donc, une direction aura intérêt, par exemple, lorsqu'il y a un conseil d'administration, à se rapprocher, à construire la négociation avec le conseil d'administration, mais aussi avec le management qui, demain, comme on l'a déjà dit, sera amené à appliquer les règles de télétravail et devra être accompagné. Et enfin, pour les représentants du personnel, délégués syndicaux ou CSE, à se rapprocher au plus près des enjeux des salariés. Voilà, j'en finirai là. En tout cas, pour conclure, pour nous, l'objet donc télétravail, c'est vraiment une opportunité hein, de revisiter les pratiques de négociation, je l'ai déjà dit, en se posant vraiment la question de ce qu'on entend par négocier. Est-ce qu'on vise
à co-construire une décision, à être plutôt dans une concertation ou encore à plutôt viser une décision unilatérale. Merci. Merci, Madame Dubois. Je vais du coup tout de suite passer la parole à Monsieur Olivier. Alors voilà, comme d'habitude, hein, on a resserré petit à petit l'étau. Avec vous, là, on va venir vraiment sur un point concret, Monsieur Olivier. Oui, puisque, on donc, va vous, essayer, effectivement. Merci. Oui, on va terminer alors, avec vous. Voilà, vous allez donc attirer notre attention sur un point bien particulier, j'ai envie de dire même nous alerter, en fait, c'est le mot. Et puis, vous lancerez peut-être finalement le débat et les questions de fin de conférence. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que nous constatons depuis mars 2020 d'un bond de plus de 80% du nombre d'accords d'entreprises signés sur le télétravail, ce qui porte aujourd'hui le nombre total à peu près autour de 14 000. Alors, comme évoqué par mes collègues du jour, évidemment, ça préfigure de nouveaux modes d'organisation, de nouveaux modes de management, l'utilisation des technologies, nouvelles technologies d'information et de la communication. Mais mon intervention est là pour attirer votre attention sur un point particulier qui est la sécurité électrique. Qu'en est-il de la sécurité électrique de vos télétravailleurs demain? Alors aujourd'hui, il existe un certain nombre d'obligations, même si je considère que ce n'est pas par là qu'il faut en passer pour arriver à un résultat, mais pour autant, elles sont bien présentes. Elle s'articule, je dirais, autour de quatre points. Le premier a été évoqué par Madame Coulot sur l'accord national interprofessionnel, qui effectivement n'est pas une norme, mais présente un certain nombre de recommandations, et évidemment, en premier lieu, celle pour le chef d'entreprise d'assurer la sécurité de ses salariés au quotidien. Donc cette sécurité au quotidien, évidemment, passe par un engagement et une responsabilité totale de ce dernier et de l'ensemble de ses pouvoirs d'utilisation. Ça va concerner les équipements, mais ça va concerner également l'utilisation et tout ça renvoie à des dispositions légales et conventionnelles applicables dans le cadre du télétravail. Celle-ci s'articule évidemment autour des locaux, hein, plus classiquement. Donc on peut imaginer demain qu'on aura un mix entre les locaux dans lesquels on travaillait avant et ceux où on travaillera demain, notamment le domicile de chacun d'entre nous. Donc, sur les locaux recevant des travailleurs et des publics, aujourd'hui, il existe évidemment un certain nombre de recommandations, puisque les règles de mise, c'est santé et sécurité au travail. Il existe d'ailleurs un document unique, hein, un document qui évalue les risques professionnels. Donc, nul doute que ce dernier devra comprendre et intégrer les évolutions liées à la mise en pratique de ce télétravail. Je rappelle que cette obligation aussi donne lieu à des contrôles. Il y a des vérifications périodiques, hein, réalisées par des organismes de contrôle qui vont s'attacher évidemment à vérifier que cette mise, ces prescriptions minimales de sécurité, si je puis dire, sont bien respectées au quotidien. Donc ça, c'est un premier cadre pour le chef d'établissement, l'employeur. La dualité avec le télétravail, c'est que ça ne s'arrête pas là aujourd'hui et on va se retrouver également dans le logement de monsieur et madame tout le monde. Et là, que se passe-t-il? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositions aujourd'hui, qui existent et d'articles. La loi SRU, la loi LURE, un décret du 11 août 2016, et il n'est évidemment pas question de télétravailler en insécurité. Donc, la décence et la sécurité du logement dans lequel on va travailler, évidemment, doivent être de mise. Je rappelle d'ailleurs que les pouvoirs publics ont encadré au quotidien ces obligations à travers le décret du 11 août 2016 qui vient, notamment lorsqu'on vend ou on loue un logement, déclencher une panoplie de diagnostics, dont le diagnostic électrique, qui doit fixer, évidemment, celui qui va prendre possession des lieux sur l'état et le diagnostic de cette installation intérieure. J'en profite pour vous dire que Consuel a une attestation de conformité, évidemment, qui remplit à ses obligations. Et mieux que cela, elle permet de se prémunir de tout problème, puisque nous imposons notre visa dès lors que l'ensemble du logement est en sécurité. Donc ça, c'est, je dirais, le troisième élément qui vient fixer le cadre en termes de sécurité électrique. Et le quatrième, qui nous appartient tous, évidemment, en tant que bon père de famille, il n'est évidemment pas question de porter atteinte à l'intégrité des personnes du foyer. Donc à ce titre-là aussi, on se doit de, évidemment, faire ce qu'il faut. Donc là, je dirais, c'est l'ensemble du cadre, du dispositif. Maintenant, je vais vous orienter sur de quoi parlons-nous, en fait. Quel est le terrain de jeu? Les logements aujourd'hui, est-ce que globalement on est en sécurité ou pas?
L'Observatoire national de la sécurité électrique a indiqué que 2 logements sur 3 aujourd'hui présentent un ou plusieurs points d'insécurité. Donc ça donne un certain écho à ce que j'ai pu vous dire juste avant, évidemment. Alors, quelques chiffres rapides. 200 000 incendies, 50 000 d'origine électrique, et on va dire pour moitié dont l'origine est due à l'installation physique fixe hein, de cette installation électrique, et l'autre à la partie mobile. J'y reviendrai tout à l'heure avec un exemple. Et malheureusement, 3000 électrisations, 40 décès, donc électrocution par an. Donc tout ça, évidemment, n'est pas satisfaisant. Alors, une fois qu'on connaît le cadre, une fois qu'on connaît les conséquences, d'ailleurs, il faut s'attacher à l'origine du problème. Alors aujourd'hui, dans les logements, il existe évidemment un certain nombre de normes hein, qui fixent les choses. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur toute mon temps limité. Mais il y a 6 prescriptions minimales de sécurité. Alors, pour en éclairer une d'entre elles, je pense que chacun chez soi peut, j'espère pas trop, mais ça peut arriver, ou ailleurs d'ailleurs, constater qu'une prise est cassée, ou que son socle se déboîte du bâti. Du coup, des fils peuvent apparaître, des conducteurs. Et là, évidemment, on a typiquement le cas classique de risque de contact direct et donc d'électrocution. Donc ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Et en matière de sécurité électrique et de mise en sécurité, eh bien, il faut que l'ensemble des points soient satisfaits, donc les 6 prescriptions minimales de sécurité. Ça, c'était lié à la partie fixe. Sur la partie mobile, je pourrais aussi vous donner l'exemple où on va mettre une rallonge sur cette, pourquoi pas cette prise qui déjà ne tient pas trop. Peut-être rajouter la rallonge de la rallonge, et là vous imaginez bien qu'on va arriver à des situations qui sont évidemment assez dangereuses, d'autant plus que à partir du moment où on va télétravailler chez soi, eh bien, on va le faire de manière plus importante, avec un usage de l'installation électrique plus importante, et évidemment des délais d'usage qui seront aussi plus importants. Donc s'il y avait un certain nombre de fragilités et d'insécurités dans cette installation électrique, il est certain qu'elles vont être mises en évidence dans le temps à un moment donné ou à un autre. Donc il convient évidemment, par rapport à ça, d'initier les bonnes pratiques avec les bonnes questions. Alors je vous fais part de notre expérience, puisque Consuel développe un certain nombre d'outils permettant évidemment de satisfaire à vos obligations. Et l'expérience qui est la nôtre met en évidence, on va dire, 3 ouvertures ou 3 questions. La première, c'est comment je fais, moi, employeur, DRH, chef d'entreprise, pour garantir le respect des exigences minimales de sécurité. Évidemment, il faut faire un état des lieux. Il faut bien faire un point zéro à un moment donné, notamment dans le cadre de la rédaction d'un avenant, pourquoi pas, pour savoir d'où on part. Donc ce point-là semble aujourd'hui incontournable pour mettre les curseurs à zéro. Et au-delà de les mettre à zéro, il faudra aussi dans le temps se prémunir que cette sécurité observée à l'instant T le reste dans les années qui passent, en sachant qu'évidemment toute intervention, modification de l'installation électrique peut évidemment mettre en défaut ce qu'on a pu constater positivement avant. Donc ça, c'est le premier point important qui définit le cadre. Monsieur Olivier, je vais vous inviter à conclure. Oui, j'accélère, à ça. Ouais. J'accélère. Parce que si on veut se laisser le temps pour une ou deux questions. Entendu. Le deuxième point qu'on observe, évidemment, c'est que pas mal d'employeurs nous disent « j'ai une attestation de l'employeur qui me dit « chez moi, tout va bien ». Bah oui, très bien. Mais ce télétravailleur, ce collaborateur, qu'est-ce qu'il connaît de l'installation électrique ? Est-il sachant ? A priori, je ne pense pas, ou dans très peu de cas. Donc, vous comprendrez bien et rapidement qu'une attestation de non-sachant ne vaut pas grand-chose demain. Et le dernier point, l'assurance. Évidemment, il faut contracter une assurance pour ses activités de télétravail. Mais là, c'est pareil. Que se passera-t-il si il est démontré que l'installation électrique était défaillante ? Je ne suis pas certain, mais je suis sûr du contraire, que l'assurance jouera son rôle pleinement et complètement. Donc pour conclure, évidemment, Consuel est à vos côtés pour vous accompagner dans l'ensemble de ces démarches et satisfaire vraiment à cette obligation de sécurisation de votre collaborateur. Et je n'oublie pas un dernier point, c'est le poste de travail. Il faut que celui-ci, évidemment, soit adapté
est en phase avec les accords éventuellement que vous aurez pu définir et qu'il soit performant, parce que le réseau, c'est bien, mais quand ça marche, c'est encore mieux. Voilà, pour mon intervention, et j'en profite évidemment pour remercier l'ensemble des équipes et vous dire au combien cet enjeu sociétal est important pour Consuel, puisqu'on s'est inscrit en tant que sponsor pour l'occasion. Merci, merci Sébastien Olivier, c'était parfait. Merci à vous tous. On a quelques minutes vraiment pour des questions, éventuellement en ligne, mais peut-être dans la salle, je ne sais pas s'il y en a. Si c'est le cas, manifestez-vous. Je vous en prie, je ne sais pas s'il faut un micro. Sinon, voilà, on vous entend, c'est ça. Sinon, je reprends sa question, du coup, j'en profite. On n'entendait pas sans micro. Allez-y. Bah alors, allez-y, allez-y. Donc, rapidement, je demandais, suite aux évolutions qui ont été détaillées dans le cadre des différentes interventions et des vides juridiques, notamment, qui ont été mises en lumière, s'il était prévu de nouvelles lois qui pourraient venir adapter le cadre juridique aux différentes évolutions. Peut-être, est-ce qu'il nous en manque des textes ou est-ce qu'on a tout ce qu'il faut sous la main? Voilà. C'est peut-être la question. Bon, forcément, je me tourne vers l'avocate, mais Madame Diarre aura peut-être aussi son avis sur la question. Alors, il n'est pas, en tout cas à ma connaissance, prévu de nouvelles lois sur le télétravail, qui serait une loi un peu globale, un peu une loi balai qui reprendrait toutes les dispositions. On a des propositions de lois qui existent, mais sur d'autres sujets. Par exemple, là, en ce moment, vous avez a été soumis à l'Assemblée nationale une proposition de loi sur l'égalité économique, enfin pour accélérer l'égalité économique et professionnelle, des dispositions pour permettre aux femmes enceintes de bénéficier de 12 semaines de télétravail à leur demande avant leur congé maternité. Alors, je ne sais pas si ce sera maintenu, c'est à l'étude devant le Sénat, puisque vous avez comme la commission des affaires sociales qui s'interroge un peu de se demander, le télétravail c'est un plus et c'est plutôt vu comme quelque chose de favorable pour les salariés, en tout cas dans le cadre de ce dispositif, mais est-ce que là, il n'y avait pas un risque que certaines femmes renoncent par exemple à des congés pathologiques avant le congé maternité pour pouvoir télétravailler, c'est-à-dire travailler vraiment jusqu'au bout. Voilà. Donc ça va être, je pense que maintenant, peut-être de nombreuses lois concernant d'autres sujets vont intégrer la question du télétravail. Mais effectivement, je me tourne également vers Madame Thur, mais à mon sens, il n'y a pas de loi générale envisagée. Alors, à ma connaissance, comme vous, hein, pas de projet dans ce sens-là. En revanche, je pense que l'enjeu se tourne plus sur des décisions jurisprudentielles. Tout à fait. Comme on l'a vu sur les tickets restaurants. Donc, ça permet de prendre du recul et d'avoir une analyse plus fine du sujet. Et deuxième chose, le dialogue social. Hein. Je crois que le véritable enjeu, il va être là au niveau, au niveau local, comme on dit, au niveau des entreprises. Ouais. Ce que disait Madame Dubois. C'est ça. J'allais dire, je vous renvoie aux préconisations du coup et au conseil de Madame Dubois. Il y avait une petite question sur le chat. Je la synthétise. Quid du droit pour un salarié qui est déjà embauché sur un poste, ouvrant au télétravail, de refuser cette organisation du travail? C'est vrai, ça. De nouveau, je me tourne vers l'avocat. Ah, c'est vrai que c'est tout l'enjeu, c'est ce qu'on avait évoqué initialement en reprenant la définition du Code du travail, c'est que le télétravail, c'est de façon volontaire. Il faut quand même qu'il y ait un accord entre le salarié et l'employeur sur la mise en place du télétravail, enfin, ne serait-ce qu'au-delà de la question juridique pour l'efficience de ce mode d'organisation. Ça reste quand même fondé sur un accord. Un salarié, le principe quand même qui reste dans le Code du travail, c'est que l'exécution du contrat de travail se fait dans les locaux de l'entreprise. Ça reste quand même le cadre juridique qui existe. Merci. Et on voit mal. On a des évolutions, mais il ne faut pas oublier que le droit évolue toujours
moins vite que la société et que les pratiques. D'accord, merci. Je pense qu'on va attendre aussi, du coup, comme vous le disiez, la jurisprudence au tournant là, sur ces questions-là sur aussi. Il va y avoir des décisions à venir qui vont nous intéresser. Mais écoutez, je vois qu'il est l'heure pour nous de nous quitter. Je pense qu'on a dressé un premier état des lieux assez complet, assez vaste. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à l'organisation et aux intervenants. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.